Et salut, bienvenue à tout le monde sur ma chaîne YouTube. Et bien écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de présentation de FF14. Donc FF14 A Realm Reborn et l'extension FF14 Evensward. Donc voilà, j'ai un petit peu vous présenter les différentes classes, les différents personnages, etc. Alors FF14 c'est un jeu qu'on achète et il y a un abonnement dessus. Donc c'est comme WoW, il y a le jeu à acheter et l'abonnement, tout simplement. Alors je voulais te regarder un petit peu la petite introduction que je trouve assez jolie, franchement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pour tous les fans de FF, je vous conseille vraiment le jeu. Alors pas les fans de FF pour le tour par tour, puisque là c'est de l'action RPG. Enfin l'action RPG, c'est du RPG classique comme WoW. On clique, on cible, on tabasse ou on heal. Donc ça, c'est la vidéo de présentation de Realm Reborn. Hein. Je dis pas de bêtises. Là, c'est un guerrier, donc c'est un tank. Guerrier est un tank à une hache à deux mains. Là, c'est le barde. Le barde, c'est l'archer. Hein. On a vu derrière un mage noir, je pense. Voilà. Alors j'ai vraiment décidé de laisser la vidéo d'intro vraiment parce qu'elle est magnifique. Hein. Pense qu'elle mérite d'être vue et qu'elle a toute sa place dans cette petite vidéo. J'ai encore des frissons à chaque fois que je la regarde. Il y a un paladin là à gauche avec son bouclier. Épée bouclier, c'est le paladin. Aussi un mage blanc, mais on le voit pas beaucoup. Enfin, une mage blanc.
La musique aussi qui est très belle. Bon, malheureusement, j'ai pas mis le son assez haut, pas si fort. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. C'est Odin ça. Des mottes. C'était bien ça, c'est bien l'introduction de Realm Reborn. Bon, et maintenant nous allons passer l'introduction et tout, vous l'aurez skippé, hein, c'est vous qui voyez. On va donc un petit peu regarder comment ça se passe. Alors là, d'abord la création de personnages. D'abord je parle de la création de personnages et non pas des classes. Pour une bonne raison, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Alors du coup, non, je vais pas. Je vais pas faire un perso sur mon serveur, je vais en faire un autre. Voilà, nouveau personnage. Alors on peut enregistrer les apparences du personnage, du coup on peut recréer le même personnage si on veut, hein. Du coup, on a plusieurs races, donc les Iur. Alors bon, je vais pas vous faire les descriptions en entière, hein, mais bon, là, les Iur, c'est un peu les humains, hein. D'ailleurs c'est les humains. Heroic Fantasy, voilà, sont des humains, hommes, femmes, les Eléséens et les Uns. Ce sont des elfes, simplement. Elfes, femmes, elfes, hommes, elfes, hommes, guillemets. Les Lalafell, ah voilà, ça les Lalafell, c'est vraiment, vraiment trop chou, quoi. Peut-être un petit décor derrière, un autre petit décor, un peu plus joli. Voilà, celui-là par exemple, il est bien comme décor. Ah, visage à la lumière, c'est peut-être plus joli. Voilà. Les Lalafell. Comme femme, les Mikot. Voilà, ils ont une petite queue. Ils ont des oreilles de chat sur la tête. Mikot femme. Alors, j'ai un petit peu bougé, tiens. Voilà.
Les Rouets Gadin. Alors, les Rouets Gadin sont les géants, hein, on va dire. C'est un petit peu l'équivalent des orques pour ceux qui jouent à WoW. Voilà, ce sont gros colosses, quoi. Ah non, les Rouets Gadin. Femmes et hommes, du coup, maintenant. Voilà, hein, comme vous avez vu, ce sont des très gros personnages. D'ailleurs, il y en a un qui s'est mis quasiment tout en vert, avec celui le plus vert possible, avec un short bleu ou un pantalon bleu, j'ai plus torse nu, c'était un moine. Du coup, les moines, ils se battent avec des armes de pugilat, donc avec leurs poings. Du coup, en gros, c'était Hulk, le machin, quoi. Là, ça s'appelait Hulk, je sais pas trop quoi, hein, Hulk Slash ou un truc comme ça. Et les, du coup, donc les Aura. Les Aura, ils sont disponibles avec l'extension. Donc, vous pouvez pas les avoir avec le jeu de base. Ouais, bah, c'est en vidance. Voilà, hein. Hop là. Aura. Alors du coup, votre lieu d'apparition ne dépendra pas de la race du personnage que vous avez choisi. Allez, pour rigoler, faire un petit à l'appel, pour le fun, ou un aura. Un aura, on est parti, un petit aura. Aura femelle, allez. On est parti. Alors voilà, chaque classe a deux origines, deux ethnies. Hein. Donc les ethnies, elles ont des trucs différents. On va prendre celle-là. Tu peux danser si tu veux, mais tu vas arrêter de danser. Voilà. Statique, c'est mieux. Accepté. Niveau personnalisation, vous avez plus ou moins beaucoup de choix. Alors, il y a l'air d'avoir beaucoup, mais ils sont pas si excessifs que ça. Alors, on peut faire vraiment beaucoup de choses, hein. Mais moi qui joue aussi à Black Desert Online, voilà, c'est pas non plus du Black Desert Online. Pas dégueulasse, hein, je dis pas ça. Environ 158 cm, putain, c'est des nains quoi. De poitrine, bah, on va faire quand même des boots parce qu'ils sont pas, ils sont déjà pas gros de base, alors si on en fait pas, voilà. C'est un homme, est-ce que c'est une femme? Couleur de peau, donc on a des couleurs un peu spéciales aussi, un peu vertes, hein, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure, le mec avait fait un truc vert. C'est un petit peu. Un peu bizarre. Bon, on va faire ça. Alors, ça c'est quoi? Forme de queue. Ah oui, ils ont une petite queue aussi. Voilà. Une petite queue comme ça ou. Trop bien. On va faire ça comme ça. La taille de la queue. Non, messieurs, je ne ferai pas de jeu de mots dessus. Une grande queue. Pour qu'on puisse la voir. Uniquement pour qu'on puisse la voir, pas parce que je suis complexé. Les coupes de cheveux, c'est parti. On va regarder plus loin ce qu'il y a. Ok. Il y en a quand même pas mal. Hein. J'en ai même vraiment beaucoup en fait. Ouais, il me plairait bien ça. La queue de cheval là pour le moment elle me plaît bien ça là. J'en ai les autres. Une ou deux couettes. Il y en a deux. Dommage. Ouais, on va rester sur ça là. Et couleur de cheveux, bon pareil, hein, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Partir en noir. J'ai envie de partir en noir. On va faire un truc, le visage, donc différents visages. Entre celui-là et celui-là, mais celui-là c'est des grandes qui me plaisent pas. On va prendre celui-là, la mâchoire. D'accord. Pas trop. Y a pas une énorme différence de mâchoire. La forme des yeux. Voilà. Non, bon, ok, c'est plutôt l'inclinaison des yeux. L'iris, grand ou petit. S'il vous plaît. Waouh. Couleur des yeux, voilà. Bon, on va faire ça assez rapidement quand même. Voilà. Couleur de l'iris, contour de l'iris. Ah, on peut le mettre à un petit contour uniquement sur un. Couleur du contour de l'iris.
Ouais, c'est comme c'est. Ouais, c'est comme c'est. Sourcils, différents sourcils, le nez, voilà. La bouche, en bouche aussi. Couleur de lèvres. Ah ouais, la différence n'est pas si énorme que ça par contre, hein, pour les lèvres. Écailles et autres. Ah, on peut enlever les écailles. Non, c'est des trucs autour. Ok. Ah, je vais lui laisser sur le nez, je laisse comme elle est, voilà, maquillage, bon. Une bande comme ça, couleur du maquillage. On va laisser en blanc, de toute façon. La voix, hein. Bon, on va garder la voix comme ça, hein. On accepte. Non, je sauvegarde pas, de toute façon, voilà, donc là on a différentes, une date de naissance, hein, donc je sais pas trop ce que ça change, à mon avis ça change pas grand-chose. Voilà, hein. Accepté. Là on a donc notre choix de divinité. Qui va apporter des attributs élémentaires. Je sais. Enfin, c'est pas vraiment important. Hein, vous voyez, ça joue pas grand-chose. Hein, vous voyez, 50, entre 50 et 53, ça bouge. 54 pour le max. Entre 50 et 54, quoi. À 4 points près, c'est pas non plus. Voilà. Et donc là, on a le choix. Disciple de la guerre ou disciple de la magie. Donc vous voyez en bas à gauche. Non, vous voyez pas, il y a ma cam. Du coup, en bas à gauche, vous voyez que ça change plus ou moins d'apparence. En fait, c'est l'endroit où ils vont pop. Et c'est marqué de toute façon sous la classe. Vous voyez, sous Gladiateur, là, il y a les cités de départ, Ulda. Donc là, c'est les armes de guerre. Donc, c'est les classes physiques. Voilà. Et là, en dessous, vous avez donc les classes de magie. Donc, les cibles de la magie sont les classes magiques. Alors, on va partir. Allez. Occultiste. On part sur un occultiste. J'avais envie. On part dessus. Là, on va choisir le monde. Odin, Odin, Odin est plein. Ok. Un autre monde. Ouais, on va prendre. Lich. Voilà. On part sur Lich. Prénom, nom de famille. Bon. Burnett. YouTuber. T'inquiète pas, on va commencer avec toi. Et voilà, le jeu se lance. Donc là, suivant la classe qu'on a choisie au départ. On parle bien de classe, la classe qu'on a choisie au départ. On va pop dans une ville parmi les trois du départ, qui sont Gridania, Ulda ou Limsa-Lominsa. Là, il me semble que ça va être Ulda. On va bien voir. Perso est vraiment moche. On peut vraiment faire des jolis, hein. Franchement, les persos sont assez jolis, hein. Mais là j'avoue que j'ai pas fait de mon mieux. Surprise, motherfucker!
Bon, tiens, trop, j'ai quand même laissé, hein. Fin de chargement. Vous ne voyez pas le truc qui tourne, c'est juste derrière mon Viking. Vous voyez un petit bout qui dépasse de la cape. Mais vous ne le voyez pas. Hey, toi! Hey, avec toi! T'as bien dormi, agité, tout le bordel, bon voilà. Alors, ici je passe parce que c'est que des dialogues comme ça sans voix. Alors voilà, c'est le truc qui est dommage dans le jeu, on n'a pas forcément on n'a pas forcément de voix dans les cinématiques. Ah, mais écoutez, d'accord. Tutoriel, faut que j'aille parler. Ah, voilà. Cinématique, on va pas passer. Alors, quand il n'y a pas de voix, c'est chiant. Quand il y a de la voix, c'est beaucoup moins chiant. Personnellement, je skip les cinématiques sans voix et je regarde celles avec les voix. Les voix sont en français. Bon, elles sont pas terribles, terribles par contre, hein, les voix françaises, mais bon. C'est déjà mieux que rien. Alors voilà, donc là je viens de créer mon personnage, je suis sur un serveur qui m'a l'air ma foi désert. C'est un nouveau serveur, je sais pas. Vous verrez la différence après avec le serveur sur lequel je vais un petit peu vous montrer et vous expliquer les classes et jobs. Ouais, on zappe, pas de problème, t'inquiète. Alors on peut jouer à la manette et on peut jouer sur clavier souris. Il y a des joueurs console. Les joueurs console sont sur le même serveur que nous, donc c'est cross-platform, donc PS3, PS4, ils jouent sur le même serveur. Et on ne voit aucune différence entre les joueurs console et les joueurs PC. Hein. C'est vraiment bien optimisé. La seule différence bien sûr c'est pour le chat, parce que ceux qui sont sur console, ils ont un chat un petit peu particulier. Alors soit ils ont un petit clavier qu'ils peuvent rajouter, je suppose, hein, sur les consoles, je ne joue pas sur console, donc je peux pas savoir. Il me semble qu'il y a des petits claviers qu'on peut rajouter sur les manettes pour chatter à la limite. Ou même un clavier tout court. Mais voilà. Ah si, il y a du monde en fait. Parce que j'étais dans le mode tutoriel, du coup c'est un mode un peu spécial. D'accord. Alors déjà, moi, il y a un truc qui m'énerve, mais c'est pas grave. C'est que moi, j'utilise pas tourner, j'utilise des strafes en Q et D. Et là, les strafes sont en A et E, et pas en Q et D. Ça, c'est pas grave. Bon. Notre personnage, le voici. Alors, il y a beaucoup de classes dans le jeu, je vais vous les montrer. Vous avez donc à gauche les classes, les jobs supplémentaires, vous oubliez, vous regardez pas tout de suite les jobs supplémentaires. Je vais faire un petit truc par contre. Hop. Voilà, c'est un peu plus simple avec la souris. Donc, vous avez ici, donc là, les jobs, vous les zappez, hein, vous les oubliez pour le moment. Vous voyez, donc gladiateur, pugiliste, maraudeur, maître d'astre, archer, suriner, élémentaliste, occultiste, arcaniste. Vous avez à droite les disciples de la main et les disciples de la terre. Disciples de la main, c'est les crafts. Disciples de la terre, c'est les récoltes. Tout simple. Pour le moment, c'est tout simple. On a donc le gladiateur qui devient paladin, le pugiliste qui devient moine. Vous comprendrez après. Le maraudeur qui devient guerrier, le maître d'astre qui devient chevalier dragon. L'archer qui devient barde, le suriner qui devient ninja, l'élémentaliste qui devient mage blanc, l'occultiste qui devient mage noir et l'arcaniste qui devient érudit ou invocateur. Je sais qu'il y en a un qui fait les deux en fait, je sais plus c'est lequel, mais il y en a un qui fait invocateur et érudit. Donc je sais plus, il me semble que c'est l'arcaniste qui fait ça. C'est donc une classe de heal ou de DPS. Mage blanc, heal. Érudit, heal. Donc arcaniste va devenir érudit. Mage noir, DPS. Invocateur, DPS. Et ça, en fait, les mages blancs, les guerriers, les paladins, tous sont des jobs. Et en dessous, vous avez marqué job supplémentaire, chevalier noir, machiniste, astromancien. Pourquoi il y a ces jobs en plus? C'est à cause de l'extension. Alors, qu'est-ce qu'un job? Pour répondre à votre question, je vais passer sur mon personnage principal. Alors, petite parenthèse avant de passer sur mon personnage qui est Blanche-Neige ici.
Alors voilà, je ne sais pas si tous les serveurs sont en Europe, mais il y a eu récemment des serveurs implantés en Europe. Alors, Japon, Amérique du Nord, Europe. Donc voilà, donc pour l'Europe, pour les Européens, c'est Chaos. Et sur Chaos, donc le centre Chaos, vous avez plusieurs mondes. Donc les mondes correspondent aux serveurs. Donc on va dire Chaos, méga serveur. Les mondes sont les serveurs. Donc, on est sur Chaos. Voilà. Donc, liste des mondes sur Chaos. On va sur Chaos, j'ai deux personnages. J'en ai un sur Moogle qui était mon premier personnage, il me semble, hein, niveau 5 sur Shuriner. Ouais. Voilà. Et Blanche-Neige. On prend Blanche-Neige, on va se connecter dessus. Hop. Vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu changer de personnage pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les jobs. Les jobs qui sont donc les vrais classons. Qui sont en fait, puisqu'on y est maintenant, qui sont en fait le mélange de deux classes. Alors, comment ça marche? Là, vous voyez que mon personnage, il a plusieurs trucs de montée. Comment c'est possible? Vous allez comprendre. Le Surineur, donc là, je suis une ninja. Un ninja, c'est le mélange de Surineur niveau 30. Et de pugiliste niveau 15. Donc, en pugiliste, j'ai monté niveau 15, je suis pas allé plus loin. Place de l'arsenal. Quand on est. Ah oui, parce que c'est du stuff ninja, forcément. Alors, quand on est ninja, on est surineur, mais en classe avancée. Donc, ça devient un job. Quand on prend un niveau en ninja, on prend aussi notre niveau en surineur, c'est obligatoire, puisque c'est surineur qui augmente, et donc, du coup, ninja augmente en vrai. Mais par contre, la deuxième classe, elle ne prend pas d'XP. Donc, au début j'étais 30 surineur 15 pugiliste. Quand je suis passé 31, j'étais ninja 31 surineur 31, ninja 32 surineur 32. Mais pugiliste ne monte pas. Alors, ensuite je peux être. J'ai débloqué quoi? J'ai débloqué paladin récemment. Bim! Et voilà, là je suis paladin. Oh, magique! En fait, ouais, on peut faire toutes les classes, tous les jobs, tous les métiers de récolte et de craft. On peut tout faire sur le même personnage. Donc il n'y a aucun intérêt autre que pour avoir un autre personnage visuel par exemple à reroll. À mon sens même aucun intérêt à reroll puisque tout simplement il y a des bonus d'XP. Les bonus d'XP c'est simple, à partir du moment où vous atteignez le niveau 50 avec une classe, n'importe laquelle, une classe de combat, donc guerre ou magie, donc avec un job forcément, parce que voilà, vous aurez un bonus d'XP de 100% sur toutes vos autres classes et jobs. Donc moi j'ai atteint le niveau 50, même 60 maintenant en surineur, du coup en paladin, en maraudeur, en archer, en chevalier noir, archer j'ai pas de pantalon. En astromancien, non j'ai pas. Ok. Même pas cette place dans l'arsenal, c'est pas grave. Du coup, voilà, en chevalier noir, j'ai un bonus XP de 100%. 100% d'XP, c'est sur les bâches uniquement, pas sur les quêtes. Donc c'est assez intéressant. Alors là, je suis sur l'île de guilde, enfin sur l'île de guilde, sur l'île de résidence avec notre maison de guilde. Hein. Bon, là c'est un autre personnage, voilà, un Aura. Donc vous voyez, un personnage un peu plus sympa déjà. Aura avec un bâton dans le dos, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Je sais plus ce qu'il est. Examiner, il est mage noir. J'allais le dire en plus, mais j'ai pas osé. Mage noir niveau 35. On voit déjà, il a quand même une gueule assez sympa. Hein. Une bonne petite classe. Donc voilà. Alors, pour faire très simple, Lilith, alors là, elle a fait le guerrier. Hein, voilà. Et niveau 60. Mais il est à la Halafell, franchement j'aurais bien voulu faire un Halafell, mais bon c'est super mignon et tout, mais bon après je verrai si un jour je switch ou pas de race, parce que niveau 50 on a un truc pour pouvoir switch de race une fois, ou d'apparence et tout, de tout refaire son personnage, donc je verrai. Pour le coup, donc je vous ai dit, je vous ai expliqué les classes, un mélange de deux classes qui donne un job, alors c'est pas n'importe quelle classe qu'on peut mélanger, on peut pas mélanger n'importe quoi, quoi, on peut pas mélanger archer et maître d'as, hein. Ça va pas devenir un archer qui lance des lances, hein, je sais pas, mais maître d'as qui devient chevalier dragon, hein. J'ai dit tout à l'heure, du coup voilà,
Alors, les autres jobs, s'ils vous plaisent de nom, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est. Chevalier noir, c'est un tank. Machiniste, je vais dire masochiste. Machiniste, c'est un DPS distance avec un pistolet. Et astromancien, c'est un heal avec des cartes. L'astromancien est très joli, malheureusement. Mon inventaire d'équipement qui est plein, donc je peux pas switch. Mais je vous le montrerai plus tard. Alors, quand on n'a pas notre job, on a juste une classe. Quand on a la classe, on a ici pas de cristal d'âme. Un cristal d'âme, j'en ai pas. Quand je suis paladin, par exemple, boum, là j'ai un cristal d'âme. J'ai le cristal d'âme du paladin. J'enlève. Bim, je suis gladiateur. Si je remets, je suis paladin. On peut enregistrer les tenues, donc pour switch de classe, c'est super rapide. Comme ça, au moins, il n'y a pas de soucis, quoi. Donc vous aurez compris, vous avez un bonus 200% d'XP. Avec l'énergie de repos, là j'en ai un petit peu, c'est la petite barre vous voyez en bas. L'énergie de repos, j'ai donc 50% d'XP en plus pour cette barre-là. J'ai donc aussi, quand je suis en dessous du level 25, allez, je vais prendre Archer. J'ai une petite plume, une barrette à cheveux de l'amitié, c'est parce que j'ai parrainé quelqu'un, donc le parrain et le filleul le reçoivent. Vous avez 20% d'XP jusqu'au niveau 25. Donc quand vous avez un personnage qui est level 60, il ne prend plus d'XP, donc votre barre d'XP de repos elle va grandir toute seule voilà, au fur des jours. Quand vous avez décidé de reroll, vous aurez 100%, plus 50% avec votre bonus de repos, plus 20% avec votre barrette, plus 10% avec la guilde, plus 3% avec la bouffe. Enfin bref, vous avez un XP assez énorme, plus les bonus de chaîne quand vous tuez plusieurs mobs à la suite, vous avez un bonus de chaîne. C'est hyper facile de reroll. Alors, je vais vous récupérer tout de suite, je vais juste changer de map et je vous récupère. A tout de suite. Et nous revoilà donc. Donc là, je suis à Costa del Sol, c'est une map qui est level environ, enfin avec des mobs level 30, des événements level 30. Alors, je voulais vous montrer autre chose. Vous pouvez changer de classe, de job, comme vous voulez, sans malus ni rien. Le seul truc, c'est que si vous n'êtes pas dans une zone de repos, donc ça c'est une zone de repos, c'est une sorte de petite île, donc c'est une zone de repos. Vous n'êtes pas dans une zone de repos, vous aurez tous vos cooldowns qui seront enclenchés. C'est un petit peu embêtant. Donc bien sûr, il y a des montures, il y a des familiers, il y a des montures chocobo. Lui, j'ai pas parlé, donc lui, il parlait juste pour le fun, voilà, pour le débloquer. Hop. Alors, les combats, c'est très simple. Un buffle niveau 31, voilà, je suis niveau 31 aussi sur mon paladin. Donc, mon serment de l'épée pour taper un peu plus fort, apprendre un serment de bouclier pour générer plus d'aggro et on va se friter. Donc le paladin est un tank. Pour les cooldowns qui se mettent en marche, je vais vous le montrer. Je passe en maraudeur. Ah, je suis encore en combat. Bim, voilà. J'ai tous mes cooldowns qui se sont mis en route. C'est un peu embêtant. Même plus que les cooldowns, quoi. Je sais pas combien de temps ça dure, mais ça dure longtemps. Peut-être 10 fois les cooldowns ou un truc dans le genre, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Ça, c'est pour vous montrer un peu un combat. Alors, du coup, je vais pas vous montrer de donjon sur cette vidéo, puisque j'ai déjà fait des donjons ou même des raids en stream et en rediff, et même sur YouTube. J'ai même fait un raid exprès pour mettre sur YouTube. Donc, je vais juste vous mettre les petits liens là dans la vidéo, quelque part par ici, hop, ou par là-bas plutôt. Ouais, par là-bas. Et du coup, voilà, donc je n'aurai plus qu'à regarder et tout si ça peut vous intéresser. Pour maintenant reparler des jobs, pour vous donner l'explication des jobs. Alors, ça va être très simple. Le paladin est donc gladiateur. Le paladin, c'est un tank. Le moine, c'est un DPS. Maraudeur qui devient guerrier et guerrier est un tank. Le maître d'art qui devient chevalier dragon est un DPS. L'archer qui devient barde, le barde est un DPS. Turineur qui devient ninja, ninja est un DPS. Élémentaliste qui devient mage blanc est un heal. Occultiste qui devient mage noir est un DPS. Arcaniste qui devient érudit ou invocateur, érudit est un heal, invocateur est un DPS. Chevalier noir est un tank avec une arme à deux mains. Voilà, là je suis dans un truc de repos donc vous avez vu mes cooldowns ne sont pas enclenchés.
feuille noire, non, voilà, un tank avec une arme à deux mains, comme le guerrier, hein, qui. En fait, le maraudeur a avancé, quoi. Donc, une arme, là, c'est une hache à deux mains. Le machiniste, qui est un DPS à distance. Et l'astromancien, malheureusement, je ne peux pas le vous montrer parce que c'est un petit peu chiant. Qui est un heal. Heal avec des cartes, en fait. Il tire des cartes, il garde des cartes, il relance des cartes. Hein. C'est sympa comme heal, c'est assez intéressant. Nous revoilà. Alors, du coup, je vais un petit peu vous expliquer le stuff et tout ça. Le stuff, le donjon, le contenu qu'il y a. Alors, le contenu. Donc, vous aurez cette fenêtre d'outils de mission, donc les outils de recherche de donjon, tout ça. Donc, la première fenêtre, mission aléatoire, sont des missions aléatoires avec des bonus, du coup. Journalier, qui se reset à 16h. 16h tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, on est aujourd'hui mercredi, hein, on est mercredi aujourd'hui, enfin pour moi on est mercredi. On est mercredi aujourd'hui. J'ai fait mes. Alors j'ai pas fait mes donjons aléatoires après 16h. Donc du coup le jeudi, je pourrais les faire avant 16h, attendre 16h et les refaire après 16h. Ou par exemple mardi, je les ai pas fait mardi soir. Il y en a un que je n'ai pas fait mardi soir. Du coup je l'ai fait mais mercredi avant 16h. Là on est mercredi, vous voyez l'heure marquée au-dessus. 16h34, donc tous mes donjons sont revenus, je ne les ai pas encore fait. Ensuite, vous avez les donjons Realm Reborn, donc vous avez compris, ce sont les donjons de la première extension. Alors, l'extension, on ne la prend pas tant qu'on n'est pas 50, il n'y a pas vraiment d'intérêt à la prendre, il n'y a même aucun intérêt, limite, je suis même pas sûr que. Quoique, si vous avez peut-être accès à la race des Aura, juste pour ça, si vous voulez prendre l'extension, après, elle n'est pas hyper chère. Donc, là, vous voyez quand même pas mal de trucs déjà. Alors, niveau donjon. On va les compter ensemble, plus ou moins. On va skipper. On a Sastasha, donc à partir du niveau 15, hein, on a débloqué donjon. Donc on est encore avec une classe. Tamtara, les mines de Clochecuivre, la Tali, Manoir, Bivouac, Tamgou, Vigile, Forteresse, etc. et tout. Fréquence de donjon, là il y en a 15, 17, 20, 24, 28, 32, 35, 38, 41, 44. Donc en fait, au début c'est un peu tous les levels jusqu'au level 17. Après c'est 3 levels, 4 levels, 4 levels, 4 levels. Et après c'est tous les 3 niveaux. Hein, 44, 47, 50. Alors maintenant, vous allez voir autre chose. Vous avez par exemple Sastasha qui est le premier donjon niveau 15. Et vous allez retrouver Sastasha, ça j'ai enlevé ici, vous allez retrouver Sastasha, ici, Sastasha en brutal. Et là il est niveau 50. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le mode brutal? Qu'est-ce que c'est que le mode brutal? Le mode brutal en fait est tout simplement le même donjon plus ou moins. Alors c'est le même nom, la même entrée, la même sortie. Par contre, ce sont deux chemins complètement différents à l'intérieur. Ce sont des mobs qui sont du coup niveau 50 et non pas des mobs niveau 15 très difficiles. Ce sont des mobs niveau 50. C'est donc un donjon 50 à part entière. Mais c'est juste que ça se passe dans le même donjon. Hein. Voilà, si vous êtes dans un château de je sais pas, un château Goblinburg, bien ça se passera dans le château Goblinburg, mais vous n'aurez pas les mêmes mobs. Hein. Je vais donner un nom au pif. Ni les mêmes mobs, ni les mêmes strats, ni les mêmes boss, ni les mêmes chemins. Tout qui est différent, ça se passe juste au même endroit. Donc voilà, donc je vais pas tous les compter niveau donjon, mais allez, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a environ 11 par truc, 11, on va en compter 22. Là, on va en compter une trentaine. Allez, on va compter une trentaine de donjons pour faire court. Hein, compter comme ça. En plus, je suis sûr qu'il m'en manque quelques-uns, quoique non, je crois plus qu'il m'en manque. Je crois que la dernière fois, j'en ai récupéré. Ensuite, vous aurez. Je reste sur Realm Reborn, sur le jeu sans extension, le jeu de base. Vous aurez les opérations de guild. Bon, là, je n'ai pas tous débloqués, il y en a jusqu'au level 60. Hein. En fait, il faut les faire pour les débloquer, et ça, là, je n'ai pas encore fait, donc je ne vais pas débloquer. Mais bon, je vais le faire avec mon paladin bientôt quand il sera level 35 pour XP. Donc, ça, ce sont des micro-donjons. Ce sont vraiment soit un boss à tuer, soit un groupe de mobs, soit un mob à protéger. Ce sont vraiment des micro-donjons, mais qui se font en groupe. Les défis Realm Reborn. Alors là, je vais pas vous spoil les défis, mais les défis en fait ce sont donc des primordiaux par exemple. Je crois que ce sont d'ailleurs uniquement que les primordiaux. Ouais, ce sont que les primordiaux. Donc les primordiaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des boss, simplement des boss. Alors le premier, vous l'aurez niveau 20. Je vais pas vous le spoil non plus. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous reconnaîtrez peut-être l'image, donc vous l'aurez peut-être vu sur Facebook, parce qu'il me semble que j'ai mis une image de lui sur Facebook. Un nombril, hurle-l'œil, tout le bordel et tout. Donc il n'y a pas le nom de toute façon indiqué du mob. Voilà, vous ne saurez pas c'était quoi comme mob.
Voilà, donc les levels, bon, on s'en fout plus ou moins, hein. Il n'y a pas tant que ça, sauf à partir du niveau 50. Et là, vous allez voir, donc voilà, il y a les primordiaux, on va dire, le cratère de Tison. Le cratère de Tison, il est bim, et je le retrouve ici en brutal. Il faut les sélectionner. Cratère de Tison, brutal. Et ensuite, si je descends, je descends, je descends, le cratère de Tison en extrême. Alors là, par contre, contrairement au donjon, ce sont bien les mêmes mobs. Donc d'ailleurs qu'un seul mob, hein, généralement sont qu'un boss. Ou alors des fois il y a plusieurs mobs autour, des adds avec le boss, des trucs comme ça. Bon, c'est toujours la même chose. Sauf que c'est d'un côté beaucoup plus difficile à chaque fois qu'on monte. Et de l'autre côté, des strates différentes et beaucoup plus poussées. Je vais pas spoiler les strates, je vais pas non plus les expliquer, la vidéo n'est pas là pour expliquer les strates, je suis juste là pour vous faire un petit peu découvrir le jeu. Donc ça ce sont donc les défis, donc ce sont les primordiaux. Hein, donc il y en a quand même un bon nombre aussi. Hein. On a donc, on reste sur Realm Reborn, les raids. Alors là, les raids, je ne les ai pas tous débloqués. Pourquoi? Parce que nous, en fait, on les fait en synchronisé. Je vais vous expliquer qu'est-ce que le synchronisé après. Alors, là, j'en ai 5 plus 4, j'en ai 9. Il y en a 13. Bahamut, il y a 13 étages de Bahamut. Donc, quand on dit T6, en fait, c'est le Bahamut, Bahamut 6, en fait. On dit T7, c'est le Bahamut 7. Voilà. T9, c'est le Bahamut 9. À la place de dire labyrinthe T5, méandre T1, non, voilà, on garde le même truc. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est des mobs, enfin c'est surtout des boss avec des strats assez compliquées. Assez compliquées, assez complexes, pas compliquées, complexes, suivant les boss. Ça reste encore à l'heure d'aujourd'hui un défi assez important en synchronisé. Et donc le PVP, voilà, le PVP ça se passe en groupe, il faut être groupé, c'est des groupes de 4. Comme les donjons, 4 joueurs, un tank, un soigneur, un DPS mêlé, un DPS distance. Donc là, c'est un DPS mêlé et un DPS distance. Sur les donjons, c'est pas forcément DPS mêlé, DPS distance. Ça peut être deux DPS distance, deux DPS mêlé, ça change rien. Voilà. Là, pour le PVP, c'est différent. Donc ça se passe uniquement sous forme de BG, il n'y a pas de PVP, de PVP sauvage. Alors là, il y a un autre truc que j'ai pas. Non, je l'ai pas. Il y a un PVP, mais en fait, du coup, je crois qu'il est pas dans la liste. Je suis pas sûr qu'il se mette dans la liste. Ou voilà. Il y a un PVP où on est 24 contre 24 contre 24. 24, 24, 24. Voilà. Et il y a plusieurs objectifs différents. Il y a du capture de base. Il y a du. Enfin, voilà. J'ai pas trop regardé. Hein. Je suis pas hyper PVP sur FF. J'aurais bien voulu essayer, mais j'ai pas encore essayé, donc je peux pas trop vous en parler. Là-haut, vous voyez, il y a les langues japonais. Japonais, anglais, allemand, français. Donc français, je n'ai pas le choix, il faut que je le prenne. Voilà, donc je sélectionne tout quand je suis en DPS, parce qu'en DPS on met un peu plus de temps à taguer quand il est qu'en tank, on met un peu plus, beaucoup de temps même, comme sur tous les MMO. Et là voilà, donc là on a des options, équipe réduite, donc là on peut y aller sans rentrer en fait. Alors voilà, donc équipe réduite. Activez cette option pour participer à une mission avec une équipe comptant moins de participants que le nombre requis. Par exemple, on peut faire un donjon qui se fait à 4 joueurs. Tous les donjons sont à 4 joueurs. Les donjons, on peut les faire à 3 joueurs, par exemple, ou à 2 joueurs en équipe réduite. Là, niveau d'objet minimum. Activez cette option pour que votre équipement soit synchronisé au niveau d'objet minimum défini par la mission. Donc ça, c'est par exemple pour qu'on puisse avoir notre niveau d'objet qui s'adapte au donjon. Règle de butin normal, juste cupidité et mettre du butin. Bon, voilà, ça c'est comme tout sur les autres MMO. Alors, maintenant les donjons Heavensward. Voilà, arrivé à l'extension. L'extension c'est du contenu 50+, donc tant que vous n'êtes pas 50, on va dire 49 pour une extension level 49, tant que vous n'êtes pas 50, vous n'aurez rien de l'extension. Voilà, donc vous avez des donjons aussi là à leur tour. Donc, à tous ces donjons là, s'ajoute du coup ceci. Donc crépuscule, somme hall, l'air, la voûte, les grandes bibliothèques, laboratoire, Nalon, continu fractal, laboratum, sainte Mossiane, le phare de Cyrus en brutal. Le phare de Cyrus, je crois qu'il y a un donjon de Realm Reborn qui est passé en brutal ici. Niveau 60. Donc ça fait quand même un bon petit truc. Vous avez donc les défis Realm Reborn. Donc les défis Realm Reborn, je ne les ai pas tous débloqués non plus. Pourquoi? Parce que j'ai pas un hyper grand e-level, donc e-level c'est le niveau d'équipement. Je n'ai pas un hyper grand e-level, je suis passé au 60 il n'y a pas très longtemps. Comme je joue sur beaucoup d'autres jeux, je suis pas un gros farmer non plus non-stop. Donc voilà, mais stock à stock.
Les densités bleues, le réacteur de singularité et le règne de Tordane. Il faut être 8 pour faire le règne de Tordane. On peut pas tag en aléatoire. Hein. Les autres, on peut. On tag, on est appelé. Alors, je vais vous montrer tout délectionné. Je vais vous montrer comment ça se passe. Hein. Hop. Anticiper, outil de mission. Là, alors là, ça se fait à 8. Il y en a qui se font à 4, il y en a qui se font à 8. Donc, je me retire. Hein. Bien entendu. On en était ici. Hop, tout délectionné. Et du coup, le règne de Tordane, il faut être absolument 8 pour pouvoir le taguer et pour pouvoir le faire. On a donc après les raids Evensward, pareil les raids, je les ai pas tous. Il manque encore les raids sadiques, il manque encore d'autres choses. Les raids, je les ai pas tous. Donc voilà, donc niveau contenu, quand même, on a quand même largement de quoi faire. Hein. Je veux dire, on ne peut pas s'ennuyer. C'est impossible. Si on a envie de faire du contenu, on peut pas s'ennuyer. Alors, je fais une petite pause et je vais vous parler des métiers du craft. A tout de suite. Nous voilà donc de retour pour parler du craft. Alors le craft, ça se passe comment? Le craft, en fait, c'est comme une classe. Donc on a un stuff de craft. Je vais passer par exemple en mineur. Bim, là je suis mineur. Je vais passer en forgeron. Boum, je suis forgeron. Alors ça se passe comment? On a un livre d'artisanat, un carnet d'artisanat, pardon, sur lequel on a les recettes. J'ai pas tout fait, hein. Voilà. Alors, je vais regarder pour faire par exemple. Ah, un truc pas trop compliqué à faire. Pierre aiguisée, madrier et lingot de bronze. Je vais faire un lingot de fer. Voilà, lingot de fer, il me faut 3 minerais de fer. Alors, pourquoi je fais un truc pas compliqué? Parce que sinon il faut aller récolter. Donc il faut que j'aille en mineur, aller récolter, etc. des produits. Je vais revenir. Voilà. Lui, il vend les premiers matériaux nécessaires. Voilà, donc à côté là où vous avez vos trucs, vos crafts. Au maître de guilde de craft, parce que voilà, il faut rejoindre des guildes de craft. On peut tout faire, hein, je le répète. Donc là, j'ai pris 3 lingots, 3 minerais de fer. Il m'en faut 3 pour faire un minerai de fer. Hop, et j'y vais, et je fabrique. Alors, voici la fenêtre de craft. En bas, j'ai des compétences, comme je vous l'ai dit. Ça marche comme une classe. Des compétences. Alors, travail de base, ouvrage de base. Réparation, main sûre, calme intérieur, observation, ingéniosité. Alors, ça marche comment? Je peux faire un coup. Ça va augmenter ma barre. Faut que j'arrive au bout de ma barre. Mais ça va me consommer 10 en solidité. Donc, je peux aussi augmenter la qualité. J'ai raté. Encore essayer. J'ai réussi. Donc là, 2%. Là, vous voyez, j'ai plus que 10 sur 40 en solidité. C'est-à-dire que là, si je réussis, je l'ai, mais si je foire, mon item, je l'aurai pas. Donc j'ai un skill ici qui me permet de récupérer 30 points. Hop, bim, je le fais. Je vais essayer d'améliorer un petit peu. 5% de chance que ce soit un objet de haute qualité. Bon, prends pas de risque, je vais finir mon objet. Voilà, j'ai eu mon objet en qualité normale. J'avais que 5% de chance de l'avoir. Des clous en fer. Hop, il faut un lingot, donc voilà, on fait fabriquer. Et c'est pareil. Alors, je vais fabriquer de base, hein, je vais pas partir pour les gros détails, mais voilà. Donc, ça se monte exactement comme une classe de combat. On a nos crafts dans le carnet, on a notre tenue de craft, et les stats de craft, contrôle, habilité, contrôle, point de PS, c'est ça. Bon, intelligence, bon, ça c'est des bagues que j'ai mis en plus pour le fun. PR c'est point de récolte, PS c'est ça, il est toujours ici. Bon voilà. Hein, et on peut même avoir des trucs de furtivité. Hein. En mineur par exemple, j'ai un skill de furtivité. Me semble-t-il, il est là. Alors je peux pas le faire ici, mais j'ai un skill de furtivité. Donc pareil, hein, hop, prospecteur, c'est un buff à activer pour pouvoir trouver, pour pouvoir voir les trucs sur la map. Géologue, boum, je cherche des trucs. Bon, ici, forcément, il n'y a pas de filon, je suis dans une ville. Je suis à Limsa, ici. Alors, du coup, là, maintenant, je vais vous montrer un petit peu le système de PEX, comment on gagne de l'XP, etc. Bon, les quêtes du classique, hein, pas besoin de vous expliquer comment ça fonctionne une quête. Par contre, bon, ouais, ça change rien, de toute façon, vu que je suis un petit peu au-dessus du niveau, même beaucoup. Alors, vous avez différents moyens de PEX. Vous avez donc sur la carte ici, vous voyez, ça sont des aléas. Donc ce sont des zones en bleu, comme ça sont des aléas. Je sais pas si on peut voir les aléas des autres maps, non. Il ne semble pas. Voilà.
fonction des aléas. Vous voyez la progression en 0%, il y a un temps, etc. Il y a un level qui est indiqué. Les aléas sont des événements publics, comme pour ceux qui ont joué à Guild Wars, ce sont comme les événements sur Guild Wars. Donc tout le monde peut y aller, pas besoin d'être groupé. Ça donne de l'XP à la fin. Ça peut être des boss, ça peut être des grooms de mobs, ça peut être une mission comme récolter tant d'objets, le plus d'objets, les rapporter à un PNJ, etc. Et à la fin, vous aurez des récompenses d'XP, etc. Vous avez ça. Vous avez les quêtes, hein, classiques. Voilà. Vous avez aussi les mandats et les opérations de guilde. Alors les mandats, qu'est-ce qu'un mandat? Un mandat. Voilà, faut voir ces PNJ là. Bonjour, souhaitez-vous. Alors il y a différents mandats. Il y a les mandats de récolte. Bon lui il n'y en a pas ici. Ah si, il y en a. En pêche. Non, botaniste. Il n'y a pas de pêche. Pas de mineur. Botaniste. Parce que du coup les botanistes, la guilde botaniste, c'est sur la ville qui est liée à cet endroit. Donc chaque map a des ressources. Ici, par exemple, ça va être tous ces botanistes. En Ulda, je pense que ça va être tout ce qui est mineur, et après la pêche, plus ou moins partout où il y a de l'eau. Après, il y aura aussi des zones, parce que donc les botanistes au début vont récolter des herbes, après ils vont pouvoir récolter du bois ou l'inverse. Les mineurs vont pouvoir récolter des minerais et après des pierres aussi, un truc dans le genre. Enfin, voilà, c'est assez intéressant. Faut se pencher dessus un petit peu si ça vous intéresse. Ou des quêtes d'artisanat, hein, parce que ici il n'y en a pas. Et le mercenariat, il y en a. Donc là c'est un niveau 10, donc je vais pas la faire parce que je suis niveau, enfin, quoi que je peux la faire, c'est pas un souci. Niveau un petit peu au-dessus, beaucoup même au-dessus, je suis niveau 24, donc voilà. Traque, parasite aviaire, donc là je peux traquer des parasites en fait, et c'est une quête répétable. Là j'ai 100 autorisations. Je vais accepter la quête. Hop, voilà. Je m'en vais d'ici. Allez, je vais prendre une petite monture aléatoire. Hein. Là c'est un chocobo, ouais. Hop, et je vais aller faire ma petite quête. Là, je vais dans la zone. Je vais le montrer parce que c'est aussi intéressant à regarder. Hop. Je vous parlerai des montures juste après. On descend. Alors là, on est dans la zone de la quête. Alors, le mandat, c'est assez spécial. Il faut aller dans la zone du mandat. Cliquez sur votre mandat. Cliquez sur votre mandat. Et faire commencer. Et là, vous pouvez choisir le niveau de difficulté. Ouais, voilà. Donc, quand c'est plus 4, c'est le niveau plus 4. Là, c'est une quête niveau 10. Donc là, le niveau sera 14 quand j'ai du plus 4. Ok. Et on commence le mandat. On est parti. Il faut que je tue des mobs. Alors, ça peut être des mandats de récolte. Ça peut être de tout. Hein. Enfin. Ça peut être des mandats de récolte, ça peut être des mandats qui demandent de récolter, ça peut être des mandats qui demandent plein de choses. Bon là je suis en tank donc ça pas très fort, hein. Malgré que ce soit des mobs level 14, je tape vraiment pas fort. Après le guerrier c'est quand même le tank qui tape le plus fort, alors pas BL, mais HL, il y en a même qui sont limite DPS quoi, qui sont même plus forts que certains DPS. Voilà, donc je vais mettre un petit lien je pense sur la vidéo pour skipper cette partie-là pour ceux qui ont envie de skipper la partie. Alors des fois pendant les mandats on peut tomber sur des mobs recherchés. Alors là j'esquive rien du tout, hein. Je suis largement en dessous du niveau, donc pas besoin d'esquiver. On peut tomber sur des mobs recherchés, ce sont des sortes de mini-boss qui rapportent du coup un bonus d'XP à la fin du mandat. Là, je sais pas s'il y en aura, mais on peut en trouver. On peut aussi trouver des coffres, là il n'y en a pas, mais aussi des petits coffres, il y a une potion, un truc comme ça. J'en profite pour vous parler de l'importance des métiers. Tous les stuff à l'HDV sont des stuff craft. On ne peut pas looter et vendre à l'HDV. On peut uniquement. Ah voilà, à la même facétieux. Une cible recherchée, donc c'est une sorte de mini-boss comme je disais. Donc à l'HDV, on peut uniquement vendre les stuff qu'on a crafté. On peut pas vendre les stuff qu'on a looté en donjon ni rien. Donc les métiers ont une réelle importance, ont un poids dans le jeu assez intéressant. Et je trouve ça plutôt cool, hein. Pas comme sur d'autres jeux où le stuff crafté a une influence zéro, qui sert à rien, c'est inintéressant, à part un ou deux métiers parce que ça va apporter du fric.
Voilà, donc là c'est vraiment intéressant. Elle va me buffer par contre un peu plus fort. Voilà, nickel. Là-bas, hop. Même passer en buff berserker. Et voilà. C'est fini. Alors, quand on finit notre mandat, c'est ce qui est intéressant, on peut choisir d'être téléporté ou non à l'endroit où on a pris notre mandat. On va mettre oui. Je me fais téléporter. Hop, et là, j'arrive du coup devant le PNJ où j'ai pris ma quête. Hop. Bonjour madame, oui, j'ai fini mon mandat. Récupérer une récompense. Oui, très bien, récompense. 4 fois difficulté, j'ai trouvé un ennemi en plus. Hop, bim. Ouais, les bots, ça me sert même super à rien, hein, mais hop, boum, activé. Hop, et j'ai fini mon mandat. Et voilà. Les mandats, ça se passe comme ça. Donc on peut en prendre plusieurs. Hein. Là, on n'en avait qu'un, mais on peut avoir 4 ou 5 mandats en même temps dans la même zone. Hein. Donc on enchaîne, on met non à chaque fois, et au dernier mandat, on dit oui, je vais téléporter au PNJ. Et comme ça, tu rentres 5 mandats, tu reprends 5 mandats, tu repars, et tu pexes comme ça. Avec toujours un bonus de 100% sur le bash. Ou les aléatoires. Hein. D'ailleurs, j'ai expliqué les aléatoires, vous pouvez aussi faire des aléatoires. Alors, je vais un petit peu maintenant vous parler de l'interface. Je vais en mode ninja parce que j'ai envie. Alors, l'interface. Alors. J'ai beaucoup de boutons. À quoi servent vos boutons? Bon, ça, ce sont mes skills, il n'y a pas de souci. Alors, le personnage, on peut voir dégainer, engainer, action de étrée. Donc voilà, ça, c'est tout ce qui est action. Les teintures, autre chose. Là, c'est l'action, c'est donc les trucs de combat. Les traits, ce sont les passifs. Les jobs, ce sont les actions de job, donc les actions de ma classe ninja, qui sont liées au ninja. Et les talents, ce sont des skills en fait que je peux prendre et de ma classe la plus petite et mettre en plus et les garder en plus sur mon ninja. Donc mon ninja, c'est surineur amélioré, mais je peux récupérer des buffs qui sont intéressants. Second souffle qui a un petit heal personnel, relâchement intérieur qui augmente la chance de critique de 10%, c'est pas dégueulasse. Pied léger, haymaker, bon voilà. Hein. Même les trucs de botaniste si je veux, mais il n'y a quand même aucun intérêt. Donc voilà, alors ça c'est pour le personnage, voilà, le profil, les mascottes, les montures, les compagnons, l'inventaire, l'arsenal. L'arsenal, je n'ai pas expliqué, c'est en fait un inventaire dédié uniquement au stuff. Comme on peut faire toutes les classes, tous les jobs, tous les métiers sur le même personnage, il vaut mieux avoir un inventaire séparé pour pouvoir avoir les trucs de. Équipement en plus à côté. Ah non, voilà, donc c'est mon inventaire de base. Et à côté, bon, vous voyez, il est quand même bien rempli. Hein. Et à côté, vous avez ça. Donc là, vous voyez aussi pareil ici, les petits boutons avec mon inventaire en gros qui est illustré ici. Hein. Donc j'ai tout pris, sauf là, j'ai ça. Donc ça correspond ici. Ça correspond à la fenêtre 1, la fenêtre 2, elle correspond ici, etc. Ça, c'est mon personnage. Donc voilà, donc vous voyez l'état général de mes équipements, me semble-t-il. Ensuite. Le JCJ, bon, j'ai aucun JCJ, j'en ai jamais fait, comme je disais. Les hauts faits, voilà, les hauts faits, ça peut rapporter des titres, etc. Hein. On peut avoir des titres autres. Récompense, le va-t en guerre, voilà, récompense, l'archimage, etc. Ensuite, on a donc les missions, donc le journal, les objets clés, les recommandations, les outils. Alors, les recommandations, c'est, on nous dit, voilà, c'est. Ce qui est recommandé pour pouvoir pex. Hein, voilà, pour pex, on nous recommande ça. Dans la zone actuelle, me semble-t-il. Le calendrier, ça, c'est tout ce qui est. Tout ce qui est reset des tâches, etc. Les carnets, donc le bestiaire. Donc voilà, le bestiaire, il faut tuer des bêtes. D'ailleurs, je l'ai pas fait en ninja. Il faut tuer des bêtes en fait et ça donne un peu d'XP donc c'est aussi important pour Pex. Les bêtes du bestiaire on les reconnaît, ils ont une espèce de petit haricot au-dessus de leur tête. Voilà le carnet d'objectifs, la nomenclature pour les poissons. Le carnet de pêche avec les endroits de pêche, etc. Les poissons, où ils sont, dans quelle zone, tout ça. Bon voilà, avec la nomenclature. On a les carnets de récolte, donc si je récoltais. Des minerais de fer, il faut que j'aille aux confins de machin, c'est ici, voilà, confins d'horizon, c'est ici, voilà. Hein, donc tout qui est enregistré, donc pas besoin d'add-on non plus. Rien d'Artiana, c'est les recettes, donc voilà, tout l'Artiana, hop, hop, toutes les recettes avec ce qu'il faut, etc.
On a un carnet d'objectifs. Ça, ce sont des bonus qu'on a par semaine, donc hebdomadaire. Quand on fait 3 donjons, on a un bonus de 1000 pièces. Bon, là, voilà. Suivant la classe qu'on a, ça change, hein. Si je le fais en paladin, j'ai un bonus de 26 000 XP. Au bout de 5 donjons, 17 000 XP. Opération de guilde, voilà, etc. Récolte, alors tout ce qui est récolte, artisanat, ça uniquement sur les récoltes artisanat. Tout ce qui est mandat, c'est pour le mandat, donc c'est l'XP. On a donc après les déplacements, donc les vents éthériens, ça, vous en parlez juste après avec les montures. Le rapatriement, c'est là où on est lié. Les téléportations, quand on a en fait débloqué les éthérités, donc une éthérité, c'est ça, voilà. Le gros truc bleu là, ça s'appelle une éthérité. Quand on clique dessus, on la débloque et après on peut séporter d'éthérité à éthérité. L'équipe, bon, recherche d'équipe, ok, etc. Recherche d'équipe, en fait, voilà, on peut chercher des équipes avec des trucs spécifiques. Voilà, on cherche Hurleuil Extrême, Ante-Neige, Aziz, machin, Bahamut 4, etc. Communication, les émotes et logements, la compagnie libre, c'est la guilde. Hein, avec des membres, tout le bordel, l'actualité, tout ce qui se passe, les détails, l'activité, ce qu'on recherche, les bienfaits. Les trucs qu'on peut activer pour avoir des bonus de craft, des bonus d'XP ou autre. La communication, donc c'est là où j'en étais avec donc les émotes, tout ça. Donc pareil, niveau émotes, il y a aussi une bonne dose pour ceux qui aiment bien les émotes. Et après, le système, donc là, c'est plus ce qui est macro, ATH, etc. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc à chaque fois, j'ai une petite flèche qui apparaît. Pourquoi? Parce que j'ai ma manette qui est branchée. On peut jouer à la manette, comme je l'ai dit un petit peu avant. Donc hop, la TH, là, vous pouvez un petit peu bouger ce que vous voulez quoi, hein, l'équipe, les barres, vous pouvez masquer les barres de. Ah, les quêtes, hein. Hop, les afficher, nickel, hop, sauvegarder. Et voilà. Alors, concernant les montures, on va donc aller. On va se téléporter, comme ça vous verrez comment ça se passe. On va se téléporter. Pourquoi je vais me téléporter? Vous allez comprendre pourquoi. On va se téléporter à l'écume des cieux, voilà. J'espère qu'il fera jour là-bas. On va plus voir un météorologue pour demander. Il y a des météorologues dans le jeu qui vous dit la température, le temps qu'il fait, s'il fait jour ou nuit à telle zone. Pas grande importance, mais c'est voilà. C'est marrant quoi, ça rend un petit peu de trucs intéressants dedans. Et il fait nuit, pas de chance. C'est pas grave. Alors, les montures, je vais passer en ninja parce que c'est une zone 50 plus ici. Je vais passer en ninja. Donc les montures, hop, 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 les montures. Alors, compagnon. Et en fait, alors j'ai pas fait la quête, mais en fait, on peut avoir notre chocobo qui se bat avec nous et on peut le mettre en tank, en soin ou en attaque. Hein, donc, c'est notre chocobo qui se bat avec nous, tout simplement. On peut l'appeler, voilà, monter des cendres. Bon. En monture, je vais vous faire voilà, je vais vous montrer un peu les montures qu'on a. Donc, ça, c'est une monture qu'on a quand on a fini la quête niveau 60, je crois. Ça, c'est une monture que j'ai lootée sur un primordial. Donc sur un défi extrême. Alors, les montures, quand on monte sur les montures, on a une musique différente. Accélérer pour que la monture soit plus forte, voilà. J'arrête, la monture redescend. Gemelia, c'est un truc que je joue avec du parrainage. Bon, on va vous expliquer comment on a toutes les montures, parce qu'il y en a, je m'en rappelle pas trop. Ouais, il y en a qui ont des capacités un peu spéciales, hein. Hop, voilà, qui servent à rien. Juste pour faire joli. Le gros robot par exemple, hein. Mais ça sert à rien. Le gros chocobo, alors, pas le chocobo, bah, d'abord le curl. Voilà, je vous montre un peu plus ou moins les montures. Hein. Voilà, bon après on a aussi des mascottes, etc. Bon lui c'est en fait c'est un chocobo mais avec une barbe, donc avec une armure d'apparat. Hop, voilà. On peut invoquer aussi des petits pets, hein. Hop, pas de soucis, j'en ai plein. Dans le personnage je pense, ouais les mascottes, voilà, j'en ai plein de mascottes. Il y a aussi des combats de mascottes, hein. Pour ceux qui aiment les combats de mascottes, il y a des combats de mascottes. Donc voilà, alors les montures, c'est arrivé où je voulais en venir. À partir de l'extension, à partir du niveau 50, donc les vents éthériens, rappelez-vous, je vous ai dit de retenir les vents éthériens, hein, donc c'est en déplacement, vents éthériens. Vous voyez, donc j'ai tous les trucs débloqués. Alors, vous voyez, il y a soit avec une petite loupe, il faut les trouver, soit avec un petit truc vert, c'est les quêtes. On débloque des vents éthériens. Là, ici, je suis à l'écume des cieux d'Abalatia. Et quand on a tous les vents éthériens, eh ben, on peut tout simplement voler dans la zone.
Et voilà. Donc, il y a aussi des montures volantes dans FF14. On va pas non plus faire un détour, mais voilà. Donc, toutes les zones à partir du niveau 50, il y a des vents éthériens à débloquer. Donc, c'est sur l'extension et on peut voler avec plusieurs montures. Genre, le petit robot qu'il y a, lui, peut voler. Hein. Enfin, le robot que je montre tout à l'heure, il peut voler. Il n'a pas, voilà, il n'est pas encore niveau max, ou il n'a pas encore débloqué tous les vents éthériens. C'est comme on veut. Ah, si, petit point que j'ai oublié. Ouais, voilà, je m'en rappelle. Ce sera donc. Tout en bas, me semble. Non, pas tout en bas. Ah, c'est où? C'est où, c'est où, c'est où? Oh bah. Ah, c'est là. Le Gold Saucer. Qu'est-ce que le Gold Saucer? Le Gold Saucer, c'est une map, un énorme casino en fait. Les combats de mascotte, je vous l'ai dit tout à l'heure. Au Gold Saucer, ça se passe là-bas. Les combats de mascotte, il y a les combats. Les combats de mascotte, il y a quoi? Il y a des jeux de cartes, des combats de cartes. Le triple triade pour ceux qui ont déjà joué à FF. Des machines à sous, du loto, des trucs d'agilité, des trucs de saut, des trucs. Voilà. Des petites missions et tout. Il y a une monnaie, s'appelle les PGL, je crois. PGS, pour un Gold Saucer. Là, ça charge. Hein. Donc voilà. Ah, le Gold Saucer. Il y a du monde, hein. Non, pas ici. Ici, on va avoir ma monnaie. Voilà, donc 2200 et quelques points. Des trucs à gagner. Voilà, hein, c'est le Gold Saucer. Ah, bah, ils sont mignons. Ouais. Voilà, donc c'est un énorme casino que je vous laisserai découvrir par vous-même si vous voulez le découvrir. Donc là, ça se passe pour les cartes ici. Voilà, que je vous laisserai découvrir. Hein, c'est vous qui voyez. Avec un classement, tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Vraiment beaucoup de choses à faire. Allez, cette fois-ci, j'arrête vraiment là. Allez, ciao tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo. Et comme je dis, si jamais il y a un truc que j'ai oublié ou une question que vous avez, n'hésitez pas à la poser. Ciao tout le monde, à plus.